Donc, bonsoir tout le monde. Assemblée extraordinaire, il est 18h35. On avait prévu une période de questions. On n'a reçu aucune question avant l'Assemblée. Donc, ça fait le tour. On va pouvoir y aller avec l'ordre du jour. Alors, le point 2, acceptation de l'avis de convocation. Non, je le trouve. Alors, le point 2, acceptation de l'avis de convocation. Le cricard, je propose. On va au point 6.1, qui est la demande d'occupation de l'ancienne emprise ferroviaire longeant le boulevard de Périgny au ministère des Transports du Québec et annulation de la résolution numéro 2018-10-382. Annelise de Rosier, je le propose. Julie Daigneault, je l'appuie. Le point 9.1, autorisation de travaux d'aménagement paysager pour le site du plan Chaudrome au parc Gilles Villeneuve pour une somme maximale de 50 000 $. Caroline le propose. Charles Lambert, je seconde. Parfait. Le point 10.1, octroi du contrat TP-2020-31 de collecte, transport et traitement ou élimination des matières organiques, ordures, encombrants et résiduaires pour les années 2021 à 2023 avec deux possibilités de renouvellement d'un an chacune au plus bas soumissionnaire conforme, soit GFL Environnement, au montant total de 6 907 227 $ taxes incluses. Le CRICAF propose. J'ai le droit à l'appui. Comme je mène une vidange, je vais proposer, je vais seconder. Le point 11.1, autorisation du paiement d'honoraires supplémentaires au consortium d'architectes ateliers TAG JLP dans le cadre du projet du pôle culturel de Chambly au montant de 53 305,89 taxes incluses. Marie-Lise Desrosiers, je le propose. Le cliquant, j'appuie. Le point 11.2, octroi du contrat ST-2020-20, service professionnel pour la stabilisation de deux sections de la berge du cours d'eau Lamar au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Le Groupe Conseil Génipur Inc. au montant de 63 684,65 taxes incluses. Julie Daigneault, je le propose. Serge-Lunel l'appuie. Merci. Nous en serions à la dernière période de questions. Il n'y a toujours pas de questions, étant donné qu'on n'a pas réussi à le faire live comme on aurait voulu, donc en direct. Mais j'ai un commentaire de Mme Daigneault qui dit qu'effectivement, ce serait bien de présenter Mme Poirier. J'ai sauté vite à la séance, donc je voulais souhaiter la bienvenue à Mme Poirier, qui est notre nouvelle greffière qui nous accompagnera pour les prochaines séances du Conseil. Donc, pas de période de questions, ça nous mène à la levée de l'Assemblée. Le surgénal propose. J'ai les derniers, je l'appuie. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Bravo, Mme Poirier, vous avez bien fait ça. Bravo, oui. Je me rappelle de vous, là. Bravo. C'est bon. Merci beaucoup, bonne soirée.